Salut. Salut. Alors là, on est sous la pluie. C'est la dernière vidéo que je fais de mon périple au Mans. Bon, c'est un peu mis dans le désordre, tout ça, d'autres vidéos avant et tout ça. Mais t'es la dernière personne estariole que je viens filmer au Mans. Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien. Au milieu des champs, plutôt. Ah oui, alors voilà, parce que en plus, je t'ai suivi en voiture. Il fait nuit noire. Là, regarde. Là, c'est nuit noire. Ouais, non, mais grave. Il pleut. On est au milieu de nulle part. Là, c'est Wawa va ramasser des champignons dans le 72. Voilà. Alors là, on est à une trentaine de minutes du Mans. C'est ça. En fait, on est sorti pour faire l'intro et on a fait merde, il pleut. Donc, on a été obligé de prendre. Donc, Estariol, on t'a déjà vu, toi. Oui, on m'a déjà vu. Il y a un an à la Pixel Anthologie. Oh, il y a moins d'un an. Pixel Anthologie, je t'avais filmé. Alors, parce que toi, tu es un spécialiste. On va entrer. On entre. Vas-y, c'est un truc de ouf. Vas-y, rentre, rentre. Oh là là. Ouais. On est déjà entré. J'ai vrai que j'adore ça. Il pleut. Mais c'est un truc de psycho. Il pleut d'un coup. On s'est fait avoir en fait. Ouais. Tiens-moi ça. Tiens, je te tiens ça. Tiens. Regardez Wawa, regardez comment. On voit ta main. Regardez Wawa, voilà, comment il se change. Pour être bien, bien mieux. Voilà. Alors, je te suis, Estariol. Où allons-nous? Où est ta collègue? Ben, on va aller se coucher. On va aller faire dodo. Hop. Alors, comment ça se passe? Par là. Comment ça se fait qu'on passe par là? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est la cuisine. Enchanté. Il faut toujours avoir une cuisine à portée de main quand on va jouer à la console pour boire un coup. Voilà. Donc on monte au-dessus de la cuisine. Et qu'est-ce qui se passe au-dessus alors? Donc c'est ta collection. Alors toi, tu es spécialisé un petit peu. Si tu peux nous dire, c'est quoi ta spécialisation? À la base, la Master System. À la base. À la base. Pourquoi? La base, c'est pas. Bah parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout quand on cherche du Master System. Des fois, on s'égare et puis on tombe sur d'autres choses. Ouh. Faut faire attention, faut enjamber. Hein. Ah, j'adore, vous avez tous, à chaque fois que je vais chez quelqu'un, il y a toujours. Oh, c'est joli, mais c'est très 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 joli. C'est très bien rangé, bah c'est bien. Parce qu'en plus, attends, le bruit que j'entends, c'est les musiques de Darius, le vaisseau qui vole. Ah, c'est pas mal. C'est Darius? Oui, c'est Darius. Darius sur Mega Drive? Non. Sur. Bah c'est pas sur Super Famicom? Non. Darius 2, oui, c'est Darius 2. Oui, mais sur Saturn. Ah, la version Saturn, ok. Oh, c'est très joli. En fait, tu m'as dit qu'effectivement, t'as été au taquet, tu t'es dépêché de bien. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai vidé mes cartons, j'avais déménagé, mais j'avais pas tout sorti. Et quand tu m'as dit que tu allais sans doute passer chez moi, je me suis dit, merde, j'ai un gros problème. Il faut que je range tout. Bah ouais, c'était un peu à l'arrache, c'était un peu Tetris. D'accord. Et du coup, j'ai dit, il faut quand même que je mette ça un peu plus en valeur parce que ça, c'est quand même une galère. Donc, t'as tout mis, t'as allumé, je t'ai dit. Sans dire de bêtises, c'est hier après-midi, j'ai été acheter ces cubes blancs. Ça? Hier après-midi, ouais. Les cubes blancs. Ouais. Donc là, les étagères là. Ouais. Tout ça pour moi, autant d'honneur. Ouais. Et bien, en fin de compte, ça t'a permis au moins de le faire. Parce que je suis sûr que ça faisait un certain temps que tu devais le faire. Oui. Et que. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je rangeais quelque chose, je dévirais ailleurs. Donc d'accord. Du coup, c'était jamais rangé. Ah, mais c'est joli. Alors vas-y, alors qu'est-ce que tu veux nous montrer de ta collecte? Parce que monsieur est spécialisé Master System, mais je viens d'apprendre et je viens de voir que tu n'as pas que de la Master System. Ben non, on a un peu de tout. On a vraiment un peu de tout. J'ai deux consoles dans mon cœur, particulièrement la Master System, la Super NES. Ouais. Donc bah Master System, on peut le voir, j'en ai un peu partout dans la vitrine là-bas. Et Super NES, donc ça c'est mon pack de mon enfance. C'est le tien? C'est le mien. Alors c'est quoi l'histoire de ce pack? C'est ton papy, c'est ta maman, c'est ta tante? C'est mon beau-frère. C'est ton beau-frère? Beau-frère, ouais. À l'époque j'avais la Master System et mais attends, comment ça peut être de beau-frère? Parce que je comprends pas, beau-frère, il y a combien d'années? Le mari de ma sœur actuellement. D'accord, et c'était à l'époque? Ouais, c'était il y a très très longtemps, à un de mes anniversaires. D'accord, ok. Et lui. Mais ça veut dire que t'es pas vieux toi en fait alors? Ah ah. Je suis pas jeune, attention. Ah ouais? Ah pourtant? Alors je vais avoir 30 ans. D'accord, bon t'as un petit genou alors. Voilà, je suis vieux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc là on a le. Back Turtles, NES. La NES c'est pas forcément une console de cœur, mais j'adore les Tortues Ninja et c'est pas que fallait absolument que je l'aie donc. Par contre, est-ce que tu peux baisser le son? Parce qu'en fait on va entendre. Je sens que les gens vont entendre que ça en fond. Le. Et même le Street Fighter, ils vont. Ah, n'éteins pas. Attends, bah ouais, mais le problème, c'est que. J'ai fait le. Bah là, moi, je filme, hein. Vas-y, filme. Je t'attends pas, hein. Tu
voilà, un petit peu moins fort. Parce que je sais ce que c'est, j'anticipe les gens qui vont dire « Mais on entend la musique en boucle, ça n'arrête pas !» C'est chiant. Voilà. Donc oui, alors là, on commence... Donc là, c'est sur le Super NES, ouais. Donc tu vois, tout à l'heure, on discutait, on parlait du pack Donkey Kong. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, je sais pas si tu m'avais dit que tu l'avais en plus pour le coup. Et non, je te l'avais pas dit. Ah. Tu m'as dit, me dis pas tout, machin. Ah oui, oui. Donc je te l'ai pas dit. Donc tiens, j'ai un pack. Alors, il est pas courant ce pack ou pas? Alors, dis-moi. Il est pas forcément très courant. Moi, après, je l'ai pas en super état, mais c'est vrai qu'il est pas super courant. Je fais gaffe parce que derrière il y a une Game Boy normalement. Voilà. C'est joli. Hein. Moi, il est pas. Mais le visuel est super canon. Ça vaut combien ça aujourd'hui par exemple? Il y en a qui partent à tous les prix. Pour moi, dans cet état-là, on est un petit peu aux alentours de 200 euros, je dirais. Alors qu'effectivement, il est un peu ouais, on va dire, abîmé, propre, fatigué. Ouais, il est pas super propre. Ah ouais, bah, donc les... ça veut dire qu'en bon état, c'est... Ouais, bah, d'accord. Quand il y en a des super propres, je pense que c'est aux alentours de 300. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé parce que moi, ça doit faire 4 ans que je l'ai. 4-5 ans. Mais je pense que maintenant... D'accord. Ça doit être cher. Ça doit être très cher. Alors, donc, on parle un petit peu de la Master System, de sa spécialité. Et alors, même si on l'a vu la dernière fois dans le Pixel Anthology, même si on fait de la répétition, c'est pas grave. Là, c'est un jeu vient chez toi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as de... Qu'est-ce que j'ai de pas mal? Qu'est-ce qui te plaît dans ta collecte, là? Dernière rentrée, ça. C'est quoi, ça? Ah. Parce que je l'ai vu. Je me suis dit, c'est une boîte à chaussures ou quoi, là? C'est quoi? Oui, c'est ça, à peu près. Non, c'est une boîte de SAV. Quand tu renvoyais ta console en réparation chez Sega. T'es sérieux? Qui était encore en garantie, te renvoyait ça dans une boîte bleue comme ça. Donc moi elle est pas complète, hein, j'ai pas de console dedans. Mais j'ai encore des papiers. C'est énorme. Et ça, mais c'est pour quelle console à l'époque? Quelle alors, période? Ça existe sur la Game Gear. Tiens, je te fais plaisir là. Ah. Ça existe. C'est bien. Ça existe sur la Game Gear, la Master System. Et je crois, j'ai pas eu confirmation, mais je crois sur la première Mega Drive, il y a aussi eu ces boîtes de SSD. Et c'était la même boîte pour le coup, hein, c'est ça? Non, la Game Gear est beaucoup plus petite, elle fait cette taille là. Donc ils avaient fait des boîtes sur mesure pour réellement faire rentrer. Ouais. Là, tu m'as dit c'est celle de la Mega Drive, celle-là. Master System. Ouais, ça c'est celle de. Oui, parce qu'elle est dans le coin Master System. Waouh, wow, essaye de comprendre, essaye de suivre. C'est ça. D'accord. Donc c'est ça. Après. Et ça alors, tu l'as rentré il y a pas longtemps parce que. Il y a une semaine. Et ça vaut combien ça? Honnêtement, aucune idée. Je sais pas la valeur que ça. Je vais te dire, honnêtement, moi je l'ai payé un peu moins de 20 euros frais de port inclus. Oh, t'es sérieux? Ouais. Mais parce que personne ne connaît. Mais parce que c'est super galère à trouver. Et que c'était marqué boîte vide sur eBay. Boîte vide et Sega. Ouais, c'est tout. C'est énorme. C'est comme ça qu'il faut trouver les perles. Du coup, aucune enchère. Zéro. La mienne, c'est tout. Putain. Alors là, on a des cards, j'allais dire U-cards. Ouais, Sega cards, ouais. Des cards sinon. On avait vu chez Yanosh. Hein. Donc, est-ce que tu as tous les jeux en Sega Card? Pour le coup, j'ai l'impression, non? Alors, il en manque une version. Transbot, ah non, tu l'as. C'est quoi? C'est le Hang-On boîte rouge en boîte australienne. Ah voilà, parce qu'en France, nous, Hang-On, il était vendu avec la console en loose. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. Je l'ai en loose, mais en fait, il y a la version australienne qui est sortie avec un visuel rouge, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, un peu de tout là. Oh, autour du monde. Oh là 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 là. Attends, je sors ça. Alors dis-nous pourquoi. Pourquoi on s'exclame? Pourquoi on s'extasie devant ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah parce que c'est la légende de la Master System. C'est la... Pourquoi la légende? Parce qu'on sait pas vraiment l'histoire de ce jeu. Certains disent que la production a été détruite, un train qui a déraillé, on sait pas trop. T'es sérieux? Ouais. On saura jamais, hein, je pense, le fin mot de l'histoire. C'est un train qui aurait déraillé et qui aurait... Fait perdre la production. Vous êtes sérieux? Je connaissais pas cette légende. Et bah apparemment. Mais du coup voilà. Et le jeu soi-disant pas commercialisé. Alors bizarrement certains en ont trouvé en brocante, dans des coins obscurs. Donc ça veut dire qu'il sortirait d'où celui-là là, pour le coup? Moi je l'ai eu comme beaucoup de monde je pense sur le seul vendeur qui en met tous les ans sur eBay. Il a récupéré la palette, ouais. Ah oui. Il a récupéré apparemment. Oui, alors j'avais entendu une palette, j'ai entendu un ça. Chèque. Qui aurait été racheté ensuite par un Italien. D'accord. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. Ça se vend. Kiseryu Koyozo Kezak. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme ta badoie que t'as pris. Ça t'a fait rire ça. Et donc moi il est complet. C'est-à-dire parce qu'en général, il manque ça. Ah c'est quoi? C'est le petit poster? Ouais, c'est le petit poster qui est super cool. D'accord. Faut aimer les schtroumpfs, mais moi j'aime bien. Donc techniquement il a pas été vendu.
Logiquement. Logiquement. Voilà, après, on saura jamais. Il y en a certains qui disent qu'il a été en boutique, certains disent qu'ils ne l'ont jamais vu en boutique. Alors. D'accord. Moi, je peux pas savoir. Donc, belle pièce, et ça, on, ouais. on est vraiment dans des. On dépasse les 200. 350 euros. Ouais, voilà. 350 euros. De toute façon, il y en a qu'un qui les vend. Et à chaque fois qu'il les vend, il les vend 350 euros. Donc, à chaque fois, tout le monde attend. Donc, tu lui as acheté à lui pour le coup. Bah, moi, je l'ai acheté à quelqu'un qui lui a acheté. Ouais, d'accord. Je préférais passer par un français. Pour éviter de. Voilà. D'accord, donc là, toujours Master System. Qu'est-ce que t'as comme petite beauté? Vu que toi, t'es spécialiste de la Master System à haute beauté, là. Bah. On a dit qu'on avait le droit de refaire, donc je vais te chercher un petit truc. J'attends ici, ah, voilà, attendez, on se met là un petit peu là. Tu peux encore baisser le son parce qu'on va l'entendre bien. Ah oui. C'est joli. C'est vrai que j'ai pas commencé à filmer volontairement pour qu'on découvre un petit peu. Donc alors. Je peux baisser le son et je peux te remontrer. Oui, alors c'est ce qu'on avait vu à la Pixel Anthology. Ouais. Et tu étais très content, très fier. Ah ouais. Parce qu'il y avait un t-shirt. Ah c'est mon. Il y avait un t-shirt. Et pour Estarion, il était à donf. Sur mon t-shirt. Son t-shirt, c'est le petit plus. Parce que ce pack-là, tu lui avais dit, il a quoi? C'est quoi? Il est. C'est australien, c'est ça, non? Alors on en trouve en Australie, on en trouve en Angleterre. On sait pas trop. Moi je sais pas trop l'histoire de ce pack. Mais tout est écrit en anglais. D'accord. Après, les deux seuls endroits où je l'ai vu, c'est en Angleterre ou en Australie. Donc la variante de ce pack, c'est qu'il y a la boîte et le t-shirt. Et ah la oui, bande originale en cassette. Tu m'avais montré ça. Tu te rappelais plus de cette bande originale en cassette magnifique? Oh ouais. C'est vraiment des bizarreries ces trucs-là. C'est l'OST excellent. Quoi. Ouais. Je te mets dans le bon sens quand même. Oui. D'accord. Et donc tu m'as dit combien de personnes l'avaient ça, tu connaissais? Eh ben, depuis qu'on s'est revus, j'en ai suivi deux autres sur eBay. J'en ai vu deux autres. Et ils sont partis à combien? Plus de 1000 euros. Ah ouf. Je te le montre. Ça c'est le t-shirt, tu vas pas au McDo avec, hein. Parce que si tu mets une tache... Ah bah non, tu mets pas de tache. Non, et puis tu te le fais voler à McDo, tout le monde te saute dessus. Ah bah attends, tout le monde ça, le veut. Bah... Ah, il a le coffret australien, c'est australien, c'est ça? Oui, je pense. Je pourrais pas l'assurer, mais je pense que c'est australien. Et là, cette fois-ci, c'est un avion qui s'est écrasé et dont les stocks ont été. C'est une pirogue qui a échoué. Voilà, c'est ça. Allez, légende du jeu vidéo, c'est un truc de. C'est comme les légendes du rock, tu sais, ils ont tous eu des accidents tragiques. Oui, exactement. Alors, attends, on revient un petit peu donc. On revient par là-bas. On revient par ici. Revenons. Alors, donc, ici, donc, on démonte toujours dans ton coin Master System. Ouais, il y en a aussi de l'autre côté. Alors, il y a Bomber Red, j'ai vu là, il y a deux secondes. Alors celui-là, c'est la version... US. Voilà, mais il est pas commun, normalement, celui-ci. En version euro. Oh, je le trouve pas. Non, si alors, il y a un jeu qui est pas commun en euro. Power Strike 2. On l'avait vu aussi, je pense, mais c'était une copie que t'avais, ou je sais pas quoi. Non, c'était un autre, c'était à l'Est, excuse-moi. Ouais, c'était King Convert de la Game Gear. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, il est où le tien qui coûte une blinde? Ah, le Power Strike 2. Alors il y a Masters of Combat aussi qui coûte une blinde. Pardon. Ça c'est un bon fake. Hein. Alors, d'accord. C'est pas beau. Ça vaut une blinde aussi. Masters c'est of quoi Combat. Comme type de jeu, mais... C'est un jeu de baston un peu à la Street Fighter. Oui, ça me parle. Et c'est rigolo, par contre les combos c'est très basique. En incrustation c'est plus simple pour vous. Ok. D'accord, ouais c'est pas mal. Ça c'est cool. Et c'est vraiment sympa à jouer. Hein. Bon, ouais. les combats et tout ça, c'est très très basique à 4 personnages, donc tu vas pas très loin. Ouais. Mais bon, un jeu de baston sur Master System en 1 contre 1, il y en a pas énormément. Hein. D'accord. Et alors, le Master System, c'est la console de ton cœur de l'époque que t'as eu à l'époque ou quoi? De ma kermesse d'école. Mais ta kermesse d'école? C'est-à-dire, tu l'as gagné dans la kermesse? Non. Ouais. Non, t'es si, sérieux? Si. Est-ce que tu l'as gardé la console de l'époque, celle-ci? Non. Non, parce qu'elle a eu la maladie des Master System, elle a eu un cancer de la prise spirituelle. Et tu l'as acheté après? Et donc à l'époque on l'avait donné à soi-disant un électricien qui était super calé, mais il a fait du caca et du coup elle est mourue. Ah mince. Ouais, on l'a enterré dans le fond du jeu. Mais c'est bien, t'as vu à la kermesse, c'est un truc ouais. De... Ben, mes parents étaient anti-console. D'accord. Et mes sœurs avaient gagné des cochons d'Inde et moi j'avais gagné. T'es sérieux, des cochons d'Inde? C'est vrai. Mais c'est quoi ces anecdotes? Mais j'adore. C'est pour ça, moi je veux savoir vos anecdotes. Et moi j'avais gagné une Master System et j'étais trop heureux, trop fier. Ah bah tu m'étonnes. Je l'ai gardé jusqu'à ce que mon beau-frère m'offre la Super NES. La fameuse Super NES. Ouais. Et à la fin, ma Master System faisait plus de couleur rouge, elle faisait que du noir.
Oh là là, mais c'est quoi ces histoires? Alors après là, on a quoi? On a de la Mega Drive pour ouais, le coup? Un petit peu de Mega Drive, parce que je me diversifie un petit peu. D'accord. Mais ouais, on a quelques titres sympas en Mega Drive. Ta console de cœur, c'est la Master System? Oui. Ouais, oui. Très clairement. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Master System et Super NES. C'est, D'accord, et donc là en Mega Drive, c'est bien rangé et tout. Ah oui, par contre, c'est pas dans l'ordre alphabétique, tout notre. Ah oui, c'est vrai. Parce que dans le salon, tous tes DVD sont rangés dans l'ordre alphabétique. Et là, pour le coup, non. Non, non, là, c'est un T'avais peu... pas le temps. Là, mais non, c'est pas que j'avais pas le temps, c'est que c'est un peu à l'arrache. Quand je prends un jeu, je le remets en dessous. Genre, Oui, mais t'as, regarde, par exemple, les Electronic Arts. Oui, sont là. J'ai essayé, tu vois, non, il y en a deux là. Tiens, tu peux nous montrer un jeu. Ah oui, effectivement, nous montrer un jeu Electronic Arts pour qu'on voit vraiment que c'est une cartouche différente en fait. James Bond. Ah mais même celui-là c'est une cartouche différente. Oui, avec une connectique de une connectique devant. Là, ils ont fait des cartouches. Alors là, c'est le jeu, une bizarrerie celui-là. Ça c'est cool. C'est cool hein. Ouais. Et alors tu joues à 4 sans multitap. Electronic Arts en fait c'est ni plus ni moins. Pour la petite anecdote, ils ne voulaient pas payer les royalties. Il y a eu un problème en plus je pense à l'époque pour la forme des cartouches. Et ils ont voulu faire leur propre cartouche. Et il y a eu un gros problème avec Sega, je l'ai plus en tête. Et c'était très 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 houleux. Et le nombre de gens qui se demandent mais c'est quoi le truc jaune. Et alors parce qu'une cartouche Mega Drive à la base, si on peut comparer à la rigueur, on l'avait vu hein, chez Bobby. Voilà, donc ça c'est une cartouche Mega Drive, voilà. Une cartouche de base, voilà. Et Electronic Arts, ils avaient fait leur cartouche. Et pour aller plus loin, c'est qu'ils n'avaient pas non plus les boîtes. C'est-à-dire que les boîtes des jeux Electronic Arts. Même les boîtes, elles sont format Electronic Arts avec. Voilà. Le et un peu plus bombé celle-ci ou ouais. pas Ouais, un petit peu. Ouais. Un peu plus bombé ici. Ça fait plus forme de VHS. On le voit un peu plus ici pour des pour ce genre de jeu. Elles sont un petit peu plus bombées. Voilà, en fait, ils voulaient pas payer. Et même la qualité du plastique est différente. Ouais. Quand tu regardes, c'est. Les mecs, ils voulaient pas payer les trucs. Ils ont voulu faire exactement leur propre boîte. Voilà. Donc, ok, donc Mega Drive. Ah, Mega Drive, il y a des trucs cool. Hein. Shinobi 3, c'est cool. Truxton. Non, ça, c'est Shinobi 1er. Ah, là, au-dessus, pardon. Je suis aveugle. Il n'y a pas eu Shinobi 2. Pourquoi? Je sais pas. Parce que tu as Shadow Dancer? J'ai Shadow Dancer, non, non, je dois pas l'avoir. Parce que Shadow Dancer, en fait, c'est Shinobi 1, Shadow Dancer qui n'est pas dans la collection, ils l'ont appelé Shinobi 2, et quand celui-là est sorti, qui est celui-là, c'est Shinobi 2 au Japon, mais nous en France, enfin, en Occident, on avait déjà appelé Shadow Dancer Shinobi 2. D'accord. Dans le petit texte en dessous. Ah, donc voilà pourquoi il s'appelle le 3. Shadow Dancer, je crois pas l'avoir. Ben voilà. Je dois pas l'avoir. T'as un gars comme ça. Non, je l'ai pas. Mais Truxton, c'est cool, c'est un shoot un peu bizarre. Oui, c'est un shoot de top plan et il existe aussi sur PC Engine. C'est Tatsujin. C'est Tatsujin, oui. Voilà, Tatsujin. Ça, c'est... Et en arcade, le Tatsujin O est magnifique. Donc c'est un jeu de top plan, mais ça c'est distribué par Taito, si je dis pas de bêtises là. Ça doit être Taito, oui. Ouais, mais c'est un jeu qui est fait par top plan. Top plan. Eh bien. C'est vrai. C'est beau. C'est beau. Heureusement. Ah, je dis pas de bêtises. Oh, le mec, il dit pas de bêtises. Ok, donc belle collection. J'aime bien les couvertures européennes. J'aime bien. C'est un peu comme les jeux Neo Geo Euro. On voit les logos sur les côtés. Ouais. Donc là, on a fait un peu la Mega Drive. On a fait un peu la Mega Drive. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire un peu de plus maintenant? On peut faire la Super NES un petit ouais, peu. Ouais, c'est beau. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Et faut le reconnaître, les gens sont à fond dans la Super Nintendo. C'est vrai. Donc là, faut leur faire leur séquence Super Nintendo aux gens. Mais je suis aussi à fond dans la Super Nintendo, donc je vais. Alors, qu'est-ce que tu as de sympathique? Déjà, ActRaiser 2. Est-ce que tu aurais un Soul Blader ou Soul Blazer? Non. Pourquoi? Ça me manque. Ça te manque. Parce que c'est cher. J'arrive jamais à Soul Blazer, Soul Blader. C'est le nom, il change en japonais. En ouais. C'est Zer en euros, je crois. Ouais, c'est Soul Blazer. Ouais. C'est cher. C'est cher. C'est cher, ouais. Mais par contre, j'ai ActRaiser 1. Qui est magnifique. Oui, donc là, on est d'accord que là, c'est tes jeux rares. Ou cool. Ou cool. Parce que Zelda, bon, c'est pas forcément c'est rare. Parodius, c'est pas rare, mais c'est génial. Access, c'est pas forcément rare. Enfin, donc, attention. Oui. Là, on monte dans les plus de 100 euros aujourd'hui, de nos jours. Oui, 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 oui. Ouais. Oui, parce que par exemple, Castlevania, on est à 150 euros au moins. Ouais, mais ça fait très longtemps que j'ai. Oh, c'est ce que j'étais en train de regarder. Wild Guns. Ah, tu veux voir des conneries? Tiens, ça c'est une belle connerie ça. C'est quoi celui-là? C'est Mario Call of Cthulhu. Qu'est-ce que t'as dit? Call of Cthulhu. C'est génial. Oh, c'est Mario dans Walking Dead un peu. Ah ouais, t'es sérieux? C'est un homebrew quoi. Ouais.
Mais qui est super bien fait. Hein. On va l'ouvrir, tu vois. C'est... Mais le jeu en lui-même, ce que je veux dire, c'est qu'autant c'est un génial. Carte mode quoi. Tiens, regarde. Regarde les plans derrière. Ah, t'es sérieux? En fait, c'est un Mario en plateforme, mais genre, le monde est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Les champignons, ils sont dans un état pitoyable. Et donc ça, c'est un carte mode, hein, c'est ce qu'on appelle un carte mode. Ouais, donc carte mode, pour que vous sachiez, c'est qu'on prend la ROM qu'on trouve sur Internet et on la met dans une vraie cartouche. Et on en fait une boîte, une notice. Ah oui, la notice et tout, c'est... Sauf que là, la notice, on a l'impression que c'est... Ouais, la notice, c'est celle de Mario World. Mais tu vois, il y a des... Ah ouais. Il y a des petites illustrations qui sont cool. Et il y a un poster. Et donc ça, tu chopes où ça? Ça, c'est sur un forum. C'est un gars qui m'avait échangé, qu'on avait fait un échange. Il voulait un truc que j'avais en double. Et il m'avait proposé ça. J'ai trouvé ça très cool. Ouais. Et du coup, l'idée me plaisait bien. J'irai pas pour payer du carte mode. Mais ça, sur le fond, je trouvais ça vraiment. Intéressant quoi. Vraiment sympa, ouais. C'est un carte mode effectivement d'un jeu un peu atypique, on va dire. Mmh, tout à fait. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur Super Nintendo? On va s'attarder sur la Super Nintendo pour que les gens... Parce que là, les gens... Ah, c'est beau. Ah, lui, double protection. Ah, lui, double effet qui se coule. C'est ça. Pourquoi alors? Pourquoi? Tu sais qu'en plus, quand tu m'as dit ça, c'est parce que j'ai vu la boîte plastique dure en plexi, je me suis dit putain, non, en fait, c'est qu'il y a une autre protection. Et alors, dans l'idée, parce que Demon Crest, Demon Blazon en japonais, ouais. Jeu qui vaut une blinde là. Là, en ce moment, ça vaut cher. Hein. Là, on est à 500 euros passé. Ouais, on est dans ces alentours là, ouais. C'est quoi le prix? Alors, vas-y, dis. Ah, je sais pas, honnêtement, ça. C'est comme le Wild Guns, là on voit le Wild Guns, en japonais il vaut, même au Japon, Akihabara, il vaut 700 euros environ. Donc ça veut dire en version euro, en version Japon, en version euro il vaut combien? Moi j'aurais dit aux alentours de 400. 400, mais... je crois que t'es gentil même. Hein. Ouais c'est possible, alors, regarde, 199 francs il vaut. C'est... Ça c'est bien de laisser les prix à l'ancienne. Ouais moi je les laisse, c'est rigolo. Mm. J'ai quelques jours, il y a même le tampon du vendeur que t'as été visiter cet après-midi. Oui. À l'intérieur, dans la pliure. Alors je sais pas si le Demon's Crest il y est, mais non il y est pas le Demon's Crest. Ça aurait été abusé. Mais... Ça aurait été beau. Ça aurait été beau, ça aurait été rigolo. Mais ouais, Demon's Crest c'est cool à jouer en plus. Mais t'as plein de jeux en fait Super Nintendo, t'as vraiment... Je suis à plus de 200 jeux. Ah ouais, non mais quand tu me disais tout ça, non mais... Et ça c'est galère en fait. Spawn. Alors écoute, tu vois là, je sais pas pour nous d'accord. C'est galère. D'accord. C'est pas courant ça. Bah ils sont pas en super état mais c'est vraiment pas courant du tout. Ouais. Alors par exemple, on parle de prix, moi si ça te dérange tu le dis, mais ça moi me dérange pas, bon, je... Mais c'est quoi là par exemple au niveau... Bah on est... Parce que le prix... On moi, est quasiment comme le Demon's Crest. Le prix pour moi, c'est souvent relatif, enfin c'est la rareté quand même d'une certaine manière. Oui. Alors sur, il y a des consoles sur Saturn par exemple, on dit Radiant Silver Gun, il coûte cher, donc c'est qu'il est rare. Il est pas rare du tout. Mais là, on est quand même dans sur Super Nintendo. Si c'est cher, c'est que c'est rare en général. Ouais. On est d'accord quand même. Hormis Zelda, parce qu'il y a l'effet Zelda. C'est un classique. Hormis Castlevania aussi. Oui aussi. Super vrai. Promotector, etc. Oui, c'est vrai. Axley, etc. Mais ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a une, on va dire pour balayer un peu large, j'ai une quinzaine de jeux qui sont vraiment galère à trouver, sur, vraiment sur à dénicher. Ouais. Et ceux-là, ils en font partie. Ouais, ils en font partie. Wild Guns, il en fait partie. Wild Guns en fait partie. Pokémon Rocky 2 en fait partie. Oui, tu l'as pas? Non, j'ai le 1 en loose. D'accord. Mais j'ai pas encore mis la main dessus. Il y a quoi d'autre? Là, j'ai vu qu'il y avait... C'est sympa. Ah bah celui-là, il est pas... Bon, non, c'est pas celui-là, c'est le 5 surtout qui est... C'est le 5, je dis une bêtise, qui est très rare. X3. X3. Le 5, c'est sûr. C'est sur NES qu'il est pas courant, ouais. Oh! Ah, il en fait partie celui-là. Ouais, celui-là, il en fait partie aussi. Ah, Agane. J'ai fait un test avec Agane, un rétro game test, si vous vous souvenez bien. Ah, c'est un truc de ouf! Et ça, pour avoir un ami qui l'a racheté puis revendu par la suite, ça vaut 500 euros. Ça, par contre. Là, on est sur du tarif là. À 500 euros, ça part. Donc, d'accord. Quel est le jeu le plus rare dans ta collection? Donc, pour le coup, parce que même Actraiser, il fait partie aussi des. Peut-être. Non? Actraiser en français, ouais, c'est galère à trouver. Il est à 300 celui-là, on va dire, non? Oui. 200, possible. 300, non? Ouais, ouais, c'est possible. Alors, je voyais que t'avais Biker Mike. Ah, ça, c'est génial. Il y a plusieurs phases de gameplay, il me semble, dans celui-là, non? Oui, ouais, t'as de la course comme t'as de l'espèce de plateau bizarre.
Ouais. C'est un mélange de beats and all, entre parenthèses. Enfin, ouais, un peu comme le... Ah, il y a un Turtles comme ça, je sais plus lequel, mais il y a un Turtles comme ça. D'accord. Mais c'est... J'ai adoré ce dessin animé quand j'étais gosse. Ah bah oui, je rallume un petit peu. Biker Mice, ouais. Et pas courant, mais pas forcément ouais, très cher. Exactement, c'est ça. Pas forcément très cher. C'est un jeu qu'on trouve aux alentours de 60 euros. D'accord. Mais c'est cool de l'avoir en collect. Moi, c'est un jeu que, oui, parce que c'est comme beaucoup, un peu comme Pirate of Dark Water. C'est des jeux qui sont pas... Ouais. Là, par contre... C'est des dessins animés qui ont pas percé chez nous en France. Pirate of Dark Water, c'est dans le tarif aussi. Hein. Ça pique. Hein. Ça pique. Ah bah oui. On est dans les jeux rares, là. Ah oui. D'accord, on a quoi d'autre? Alors, quel est ton jeu... Alors, au-delà du jeu rare, mais quel est ton jeu fétiche sur la Super Nintendo? Punch-Out, c'est bien. Arkanoid. C'est ton jeu? Ah oui, Arkanoid. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec Arkanoid? J'adorais, je l'avais quand j'étais gamin. C'est un jeu sur lequel tu... Ah, Blazon, je me trompe. C'est génial, ouais. Blazon. Mais c'est quoi, il est... C'est l'US. D'accord, parce qu'il est pas sorti en... Non, il est pas sorti en PAL. C'est pour ça que j'ai... Ah, ça aussi, c'est bon, ça. Ouais. C'est pour ça que je l'ai en PAL, il est pas sorti. Et je l'ai en US, il est pas sorti. Il est complet, il y a le poster. Le poster est génial. Si tu c'est quoi ces boîtes là? Alors ça c'est les versions Disney classiques. Excuse-moi mais ouais. C'est les versions Disney classiques, donc il m'en manque qu'une pour les avoir toutes. Donc tout ce qu'il y a là, c'est-à-dire que c'est les versions Super Nintendo Euro. Ouais. Mais qui les ont fait dans un packaging... Euro FH même, je dirais. FH, carrément. Attention, il y a de la poussière dessus. Alors on rappelle ce qu'est FH, c'est quand c'est vraiment français. Français et Hollande. Et hollandais. Ouais. C'est écrit en hollandais et en français. Sinon c'est FRA, mais... Voilà, il y a écrit mode d'emploi en français et puis c'est écrit en néerlandais, on va dire, en bas. Mm. D'accord. Et puis il y a ces deux-là qui, eux, sont pas sortis chez nous et qui font partie d'une autre collection, tu vois. C'est... Il est tombé dans un... comic classique. D'accord. Ah oui, parce que c'est pas Disney pour le coup. Non, c'est pas Disney. Mais c'est le même packaging. Et nous on a Disney Interactive et eux ils avaient Comic Classic, donc ça c'est sorti en Allemagne. D'accord. Ouais. Mais bon, je trouvais ça cool d'avoir les, bah, bien sûr, les boîtes aussi. Les là variantes. On est plus dans le franco-belge là pour le coup là. Ouais. D'accord. Eh mais c'est très joli ça. Eh c'est beau ton... C'est un présentoir officiel ça? Non, ça c'est du... C'est du FMA. Ça c'est du custom ça. D'accord, ouais. Très joli. Tu les mets en valeur, hein, c'est les deux que tu mets en valeur là. Regarde ce beau présentoir Guy de Graines pour présenter des couverts à la base. Ah oui, que tu as customisé. Ouais. D'accord, alors là on a fait le... Est-ce que vous voulez qu'on reste encore un petit peu sur la SNES ou pas? Parce que... Légende. Ouais, Legends, c'est leur Moon qui est pas forcément si courant que ça. C'est vrai. Je vais en avoir, hein. Je vais en avoir des trucs pas courants qui sont plus ou moins cool. Mais... Si, pour les fans, pour les fans aussi, femmes. Les femmes et les fans du film The Lord of the Rings. Ouais, de Tolkien. C'est sérieux, je savais même pas qu'il existait. À jouer, je l'ai pas joué, je l'ai juste testé, je l'ai mis dans la console. C'est un petit RPG, hein. C'est un petit RPG. Bon, c'est loin d'être. C'est une bizarrerie, on va dire. C'est loin d'être du Zelda, hein, mais. D'accord. Bon, alors on a fait la SNES. Fait la SNES. On a fait la SNES. Qu'est-ce qu'on fait d'autre maintenant quand on est chez toi, Estariol? Tu veux jouer à la Super Famicom Box? C'était dans les hôtels? Non, ouais, non. Tout à l'heure, tu me parlais du M82, mais je te disais, ouais. Le j'ai pas vu. Alors, j'ai vu le présentoir là, de Nintendo 64. Ouais, c'est un top de vitrine. D'accord, ça, exactement. Chopé en Allemagne, ça. Et on va essayer de récupérer un peu de lumière. Et donc là, en fait, oui, donc c'est quoi en fait ça? C'est Super ce qu'il y avait dans Box, les. Exactement. Dans les hôtels. Dans les hôtels au Japon, ouais. Donc c'est pas du tout comme un... Comment dire, un... C'est pas comme la borne M82. C'est un peu le même délire, mais je vais éteindre le néon 64 si ça te dérange pas. Ça va peut-être... Ah oui, ce sera mieux. Bah voilà, ça va être mieux, ouais. Donc du coup, ça se présente comme ça. Hop. Donc les cartouches de jeu, elles sont là. D'accord. Donc c'est deux grosses cartouches multijeux. Donc moi, j'ai passé le menu, hein, je suis sur Mario Kart, mais j'ai Mario Kart, j'ai Mario All-Star, j'ai un jeu de golf. Ça, parce c'est... que c'est des cartouches spéciales. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas les vrais jeux que tu peux mettre dedans. De tête, il existe, je crois, 3 ou 4 cartouches seulement. Ah, t'es sérieux? Ouais. Alors, ça veut dire qu'il y avait un compteur, il y avait un truc comme ça, c'est ça? C'était une minuterie, je crois. Une minuterie, ouais, voilà, c'est ça. C'était une minuterie qu'il y avait dessus. Bon, là, moi, tu peux jouer des heures, c'est... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Neo Geo, il existe la même chose. Ah, c'est bien, ça. Il existe la même chose qu'il y avait dans les hôtels. Et c'était à l'époque, et c'est introuvable. Ça, c'est galère à trouver aussi. Et ça aussi, voilà, ça, c'est...
Mais je crois qu'à Akihabara, il y en a assez facilement. À Super Potato, il y en a. Ouais. Mais quand il y en a en France, c'est quand il y en a sur eBay. Parce que c'est toi qui as mis les autocollants ou... Ouais, parce qu'elle a, elle est fatiguée. Elle a eu mal. Choc de livraison, la façade a été éclatée. Donc recoller et puis du coup autocollant dessus. D'accord. Tu peux remettre la lumière, ça va nous aider. Je peux. Parce qu'en fait ma torche elle commence à rendre l'âme. Ah ben bravo. J'ai tourné toute la journée. Franchement. Torche chinoise. Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tu l'as pas allumé pour le coup celle-là. Non. Mais tu vas le faire. Si tu veux. C'est un display pareil PLV on va dire. Ouais. Sega. Sega, qu'on trouve assez souvent, j'ai envie de dire, mais à un prix pas abordable. Alors non, eh ben celle-là non. Pourquoi? Celle-là non, je vais te dire tout de suite. Parce que pour moi, d'habitude, elle est pas blanche. Parce que je suis un sale tricheur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas une originale. Ah! Et non, parce que je me suis fait avoir plein de fois sur le bon coin, sur des originales, et que j'ai dit... Ben, comment tu peux l'avoir fait si c'est pas une originale? Ben, parce que... Faut juste avoir 2-3 contacts et machin et puis... Parce que c'est quoi? C'est la vitre que t'as refait toi-même? C'est joli. Oui, l'original c'est pas comme ça, non? L'original c'est pas comme ça et moi du coup j'ai fait faire les deux côtés. Mais elle est très jolie. Elle est très 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 Et donc jolie. À la base, c'est une enseigne publicitaire. Merde, je l'éteinte. Sorry, baby. C'est une enseigne publicitaire de bière Edelweiss. Et tu as juste ajouté... J'ai supprimé les deux vitres. J'ai fait refaire des vitres sur plexi. D'accord. Avec une... Ça, c'est un... Sur mesure, quoi, carrément. Ouais. Ça, c'est un dessin qu'un ami a retouché. Il a retouché le Sonic d'origine. D'accord. Et il l'a réimprimé sur adhésif. D'accord. Et du coup, ça me fait une belle enseigne Sonic. C'est très joli. Ouais. C'est alors, cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, alors? Dis-nous. Un petit tabletop. Ça, c'est beau, ça. Ouais, j'ai le Snoopy. Désolé pour la poussière, tu dois l'avoir vachement sur la caméra. Là, on le voit, ouais. Mais ça, c'est le Snoopy, mais tu vois, c'est, je l'ai récupéré ouais. dans l'état. Hein, donc, mais il est pas courant, le Snoopy, en mais plus. Mais il est fonctionnel. Il y a le cache-pile. Ouais. Le Mario, c'est pareil. Lui, il est propre, il est complet. Et... Enfin, sans boîte, hein, forcément, mais ils sont tous fonctionnels, le Donkey aussi. Il manque le... Popeye. Le Popeye, ouais, qui est pas évident à choper. Ouais, ouais, ouais. Et puis lui il est en piteux état mais qu'est-ce que je suis content de l'avoir. La version Coleco, ouais. Il y a plusieurs versions, plusieurs marques de mémoire. Ouais ouais ouais, mais le Coleco. Plusieurs boîtes. Ouais, je te dis, il est vraiment en piteux état. Trouvé en brocante? Ouais. Mais il fonctionne. Les connecteurs de pile étaient complètement oxydés, j'ai tout démonté, j'ai tout passé au vinaigre, machin. Il fonctionne. Fonctionnel. Ouais. Fonctionnel. Pas beau mais fonctionnel. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? Et eh ben une borne de démo qui était à la base une borne de démo Mega Drive qui est devenue une borne de démo Saturn par la suite puisqu'ils... C'est-à-dire que c'est toi qui l'as fait ou c'est les magasins qui ont recyclé? Non, c'est les magasins qui recyclaient, ouais. C'est les magasins en fait. Donc là t'as une bulle en verre. Ouais. La borne Mega Drive, quand elle était en Mega Drive, donc ça prenait tout l'arrière-plan. D'accord. Et t'avais une partie Mega Drive et là en fait à la place d'une vitre c'était un présentoir avec des jeux D'accord. Se plaquait dedans, c'était un truc en plastique. Et ici, normalement, tu as un grand contour avec marqué Sega en grand. C'est-à-dire que les Sega les récupéraient, celles qu'il y avait en boutique. Ils refaisaient, ouais, juste ça, juste ce panel-là. D'accord. Pour le placer sur. Et le Sonic, c'est pas toi qui l'a. Le même fournisseur que mon petit. Ah, voilà, c'est toi qui l'as ajouté, c'est pas d'origine. Alors, il y en a un d'origine. Hein. D'accord. Il y en avait un d'origine, mais il était mort. D'accord. Et du coup, j'ai refait. Celui-ci et celui-ci. D'accord. Donc c'est pas mal. C'est joli. Ouais, oh, c'est pas moi, c'est Murphy. Tu te souviens de ça? C'est beau, hein. Vas-y, ouvre la boîte là qu'on le fasse. Allez, je te le fais pour toi. La pub, c'était pas ça, c'était comme les. Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Bah, ça c'était. Non, celui-là, il va pas marcher. Attends, le deuxième peut-être. À l'époque, on avait. Vous connaissez? Eh hey, Maurice, tu pousses. C'est qui a fait ça? C'est Maurice. Et bah, nous à l'époque, la pub c'était ça. Ils vont plus marcher. C'est pas moi, c'est Murphy. Mais ils marchent plus. Ils faisaient un. En fait, y a aucun intérêt. Parce que même si t'as ça comme jouet, tu faisais ça. C'est pourri quoi. C'est... Franchement, ils sont jolis. Ouais. C'est pas moi, c'est Murphy. Ok. j'adore, là c'est le first for figure. Ouais.
Il est super beau celui-là, putain. Wall-E. Pratiquement mon meilleur Pixar Disney réuni. Ouais, je suis d'accord. Ah, franchement, il m'a rendu ouf ce dessin animé, je vous le conseille Wall-E, vivement. Wall-E, je l'ai en... Tiens, regarde, je l'ai là aussi. Kekou. Bah, j'ai enlevé les piles, je crois, parce que je voulais pas que ça s'oxyde à l'intérieur. Mais tu as bien raison. Ils sont fonctionnels. Tous mes Wall-E font de la musique. C'est magnifique. Très joli. Voilà. Tout Wall-E qui est inspiré de Short Circuit, un film. Ah, c'est possible. J'aurais dit de Rob Lombaum. Avec Steve Guttenberg qui était un des acteurs de Police Academy. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, le First Four Figure aussi, aussi. En Knuckles. Quelque joli, chose. Joli. Ouais, chouette. Les petites statuettes. Tiens, vas-y, on va faire les deux. Les petites statuettes de Zelda qui sont sympas aussi. Bon, la qualité, pas géniale. Franchement. Oh, bah là, comme ça, moi je trouve que ça va. Ouais. Là, tu parles de la finition ou de la qualité de. La fait, qualité, c'est pas même fragile. La qualité, ouais, la qualité, c'est du plastique donc c'est pas exceptionnel. D'accord. Mais je trouve que visuellement, elles sont jolies. D'accord. Après, en qualité, c'est pas. Mais là, des conneries, t'en as plein. Là. Là, entre les Kiki Bonux. Les Kiki Bonux. Les JoJo's, si t'as connu ça. Très. De très loin. Succinctement. De loin, ouais. Mais ouais, j'en ai. Ouais, un petit Rambo là. Le Rambo de Remco, hein, je crois, c'est ouais. Remco. Ouais, Rambo Remco. Joli, joli. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Oh, t'as plein de packs. Voilà, si t'en veux des packs, il y en a. Parce que. Alors ça, on l'a vu chez Bobby, donc ça c'est bon. Ouais, ça c'est bon, ok. C'est genre, ok, d'accord, ok, okay on passe à autre chose. Passe, aussi, pourquoi on tu passe. Passes bah, c'est un Super Scope US. Ah voilà, parce que moi je le connaissais pas sur cette forme-là, ok, US. C'est le Super Scope US. On ouais. Passe. On passe, ok, on passe alors. Ah, donc t'as la boîte qu'on avait vue chez Bobby. Le pack window. Donc, on passe. On passe. Alors ça veut dire quoi? C'est que parce que là tu veux me montrer quelque chose là. Non, j'ai l'impression qu'il a fait, on passe, et là genre, on passe pas. Là, on s'arrête pas. On passe. Français, super ça. Ouais, super scope, pardon, standard. Standard. On fait une review vite fait. Tu vois. Ça, c'est le plus mythique. Voilà, c'est un des plus vendus. Le plus vendu, le plus mythique. Pour oui, moi, oui, je pense aussi. Ça, c'est le pack. Ok. Ok, bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Mais c'est quoi tous ces packs? Alors je te laisse faire parce que tu veux nous montrer quelque chose, je le sens, non? Non, moi je te fais un. Ça c'est celui que j'ai encore. J'ai ma boîte d'époque moi pour le coup. C'est vrai? Ouais. Mais je le trouve chouette aussi moi celui-là. Sobre mais efficace. Sobre mais efficace. C'est quelque chose que j'aime bien ça. Sobre et efficace. Une GameCube. Ouais. Une Virgin, paix à son âme. Tu fais exprès garder le ouais. Comme ouais, ça c'est pour ouais. Plus tard. J'aime bien. Au même titre qu'aujourd'hui on prend un jeu Master System, si on a un truc Euro Marché ou un truc comme ça, oui, on est content de l'avoir, ouais, bah plus tard. Ah c'est ça. Ah, ça a l'air d'être beau ça. Ça c'est. Ouais il est pas en super état mais ça c'est pas mal. C'est Euro. C'est espagnol. Espagnol ouais. Et alors c'est quoi la spécificité de ce pack? Bah c'est le pack Mario All-Star mais espagnol. D'accord. En fait. Donc visuellement. Il le sortait, tu vois, avec la cartouche où t'avais les deux dessus, Mario All-Star et Mario World. D'accord. Donc voilà, c'est. Visuellement, il est joli. Bon, là, il est pas en super état, mais. Parfait. On connaît le cheval de bataille de Nintendo. S'il n'y a pas Mario, ça marche pas. Puis après, on tombe dans les 64. Bon, là, il y a encore le pack Super Game Boy qui est là, d'accord. Qui est un Allemand. Après on tombe dans les 64, donc la Pikachu. Ça, je sais. Là, attends, mais là t'as... Là j'en ai. La quelques... Nintendo 64, c'est aussi ta console, on est ça, d'accord. Ça c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que c'est le jeu qui est. Alors ISS déjà, quand j'étais gamin, j'y ai passé des heures et des heures. Mais parce que c'est pas courant aussi ce pack là, il est vraiment pas courant. C'est un pack standard avec un fourreau hein, comme beaucoup de packs. Oui c'est juste. C'est juste le fourreau qui est pas courant, hein, puisque le reste, c'est un pack standard, on peut pas l'abîmer. D'accord. Donc voilà, après j'ai des packs au visuel aussi cool. On parlait tout à l'heure du pack du pack Donkey Kong Super NES. Le pack Donkey Kong 64, il est vraiment pas mal non plus. D'accord, parfait. Bon bah là, on va faire plaisir à tous les fans De Star Wars. De la série. Ça doit pas être commun ça. C'est pas commun en bon état. Bah tu vois par exemple, moi je suis pas
hyper fan de la 64 et c'est des choses que je connaissais pas, enfin je la connais pas celle-là. Alors après, là je peux faire mon intéressant. Vas-y, allez, vas-y, crâne. Alors je sors donc du coup le pack Star Wars. Ouais. Ça c'est un carton de PS4, on s'en fout. Hein. Et puis je vous sors aussi la grosse boîte. C'est-à-dire? Voilà. C'est celle qui était en magasin pour la démonstration? Ouais, c'était la PLV à la sortie. En fait, c'est son équivalent en mode commercial pour attirer le chaland. Avec les petits. Voilà, exactement. Regardez, messieurs, dames, achetez ma 64. Et elle était attachée, genre? Ouais, là, t'as des petites. Si tu peux zoomer. Tu pouvais l'attacher. Ouais, d'accord. Avec des petits. C'est... Ça, alors, ça, c'est moins courant pour le coup. Là, c'est moins courant, ça. Et puis, c'est cool. Et puis, c'est cool. Et acheter un collectionneur, mais pas de jeux vidéo. Un collectionneur Star Wars. C'est pas étonnant, tu me diras. Et c'est... Les collectionneurs Star Wars, ils achètent tout et n'importe quoi. C'est ça. Mais du coup, on était bien content. J'étais bien content de le trouver, ce collectionneur Star Wars. Quand il m'a sorti ça. Je fais un petit plan d'ensemble. C'est joli tout ça. Alors, tu veux encore de la 64? Bon, ça ira. C'est vrai? C'est pas ma console de cœur. Bon, à moins que t'aies un truc. Ouais, j'en ai un qui peut faire plaisir aussi à certaines personnes. Alors vas-y. Fais plaisir dernier. Aux gens. Le dernier. Ah bah oui. Ah, je mythique aussi. Bonjour. Pour la 64. Ah bah oui. Ah bah oui. C'était la raison pour laquelle on jouait à 4. Parce que oui. Sinon, il n'y en avait pas beaucoup d'autres. C'est vrai. C'est vrai. Et joli pack. Celui-là il est beau aussi, ouais. Visuellement, tu vois ça en boutique. Et pour le coup, français. Anglais. Anglais, voilà. Ouais, parce anglais. Que voilà. Alors attends, parce que là j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait de la NES. Ouais. Qu'est-ce que tu as de beau en NES? Des choses très courantes. Des jeux courants? Oui. Oui, Mega Man 5 est très courant. DuckTales 2 est très courant aussi. C'est des titres bien connus. Mais oui, voilà, ouais. Ok, bon, on les a vus. Ouais, c'est joli. J'ai des trucs cool. Tu vois. Ça, c'est sympa. Dina Blaster, c'est Megaman. Bomberman. Bomberman, le titre européen, on va dire. Occidental, enfin. Ça dépend. Ils ça, se sont un peu trompés. Enfin, ils oui, sont un peu, ils ont un peu chié dans la colle de. Ils avaient fait des bêtises, là. Ouais, il est Bomberman, il revient Dinaman. Dina Blaster. Après, bah, j'ai les deux Zelda qui sont derrière. T'as un double étage là derrière? Ouais. Ah oui, je suis désolé, hein, c'est rangé comme je peux. Ah bah oui. Tu veux des GBA SP? Ça ira. Non. Pourquoi tu les refourgues? Ah non. Non, ce qu'il y a là, ça ne bouge pas de là. Ah, tu revends rien toi en général? Non. Et est-ce que tu as un petit jeu ASD? On l'avait vu chez Bobby. Je fais pas ça. Tu fais pas? Je fais pas. Je. La NES, c'est vraiment pas mon délire. Je prends ce qui m'intéresse. Voilà. Tu vois, je suis beaucoup shoot, donc. Galaga. Gradius, Galaga, ça a été très important de les avoir. Et Lolo 2 aussi, c'était très important de l'avoir. Lolo 2, je suis tombé dessus par hasard. Et franchement, c'est fun. C'est fun, Lolo 2. Ouais, c'est un des petits jeux de puzzle game stratégie un peu. Ah oui, c'est beau ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est beau ça. Tu vois, il y a des jeux qui valent pas cher, mais que j'aime beaucoup. Oui. Ça vaut rien, ça vaut 15 euros, je pense, 15-20 euros, je dirais. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, à jouer, c'est un petit shoot qui. Ah, peut-être le Kung Fu, peut-être un ASD. Tu penses que ce serait un ASD? Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Nye, nye, nye. Nye, nye, nye. Vous savez. C'est bien, moi je suis bien. En fait, je suis assis là, tranquille. Et moi je te sors des trucs. Et voilà, toi tu me sors des trucs. Fais-moi rêver. Un autre shoot. Xavius. Oui. Probotector. Oui. Tu dis oui, c'est bien. Bah j'ai envie. Alors, genre, Probotector, j'ai même envie de te dire oui et non, parce que ça m'énerve qu'ils aient changé les personnages en robots. Tu sais c'est quoi la légende? Ouais. Non. La légende non. Bah c'est qu'en fait aux États-Unis contre. Non, non, en Allemagne, ils censurent énormément. Ah oui? Ouais, ils censurent énormément. La légende voudrait que ce soit en Allemagne qui ne voulait pas tuer des humains, etc. et les ont transformés en robots et que nous, en Europe, on a suivi ça, en fait. D'accord. Ce serait ça, la légende, parce que le jeu, en fait, bah, c'est au Japon et aux États-Unis, c'est les personnages des humains et là, c'est des robots. La légende voudrait ça. Voilà. Ouais. 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 Et même les Allemands, pour le jeu NAM 1975, sur la jaquette, il y a une fille qui on voit sa jambe, ils avaient mis des coups de marqueur noir sur le plastique, heureusement. Et des fois, je crois qu'il avait fait sur la jaquette.
de marqueur noir pour pas qu'on voit sa jambe. C'était trop dénudé. Les Allemands, ils sont hyper hardcore au niveau de la censure. Ouais, il faut le savoir. Ouais, c'est costaud. Ah ouais, les Allemands, c'est hardcore. Il n'y avait pas que l'Allemagne qui avait fait ça, mais entre autres les Allemands. Bon bah ça, je pense que tout le monde y a joué. Ouais. Et sur NES, bah voilà, sur NES ça va être à peu près tout. Après, bah les Megaman, oui, parce que j'aime beaucoup la série de Megaman, tout simplement. D'accord. Toute la série de jeux, du 1 au X2. J'ai pas aimé les épisodes GBA, par exemple. D'accord. Mais... Et le 9, les 8 et le 9 qui sont sortis après... Pas fait. J'ai pas fait. Alors là, on a quoi? On va où là? Qu'est-ce qu'on peut aller par là, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de lumière par contre. Oui, en plus ma lumière elle est plus là. Il y a moins de lumière. Ah, donc là effectivement on retrouve de la master. Hey Johnny, how about a beer, right? Ça c'est Ted. C'est Ted. Tu veux lui mettre un coup à Ted? On l'a pas vu en fait. Génial Ted. Bon, on va voir si je vais avoir encore un peu de lumière. Si ça va marcher un petit peu. Donc ouais, il y a un peu de tout là. Je sais pas de quoi te montrer en particulier. Bah, je pense qu'on a fait les... Des packs, oui. Les packs Master System, un peu de jeu GameCube, j'en ai... Ah bah ça, oui, tiens, ça tu... Ça j'aime bien aussi. La ouais. GameCube, je trouve que ça a été une très très bonne console de Nintendo. La dernière très bonne console de Nintendo? Je pense. Tu penses? Je pense. Sympa, sac d'époque ou non, c'est récent ça? Oui, ça c'est pas si vieux que ça. Ouais, parce que je vois qu'il y a encore l'étiquette et tout ça... Oui, ça c'est des trucs assez récents ça. Ouais. Alors là en fait on a tout le reste de ta collection Master System. Oui. Parce qu'effectivement là-bas ouais, il y a beaucoup de jeux Master System quand même. Donc, ah, bah, oui. Ouais, il y a des trucs cool. Il y a des packaging pas communs, celui-ci ah, oui, notamment. C'est-à-dire avec le bundle avec Donald. Et c'est toujours ton Donald hein. Et c'est toujours mon Donald. Ah ouais, t'arrêtes pas. En fait c'est juste un petit patch publicitaire, mais on le voit pas souvent. On le voit pas souvent. Et puis ça, c'est une bêtise anglaise. Et alors, tu m'as parlé tout à l'heure, Estariol, on était au McDo. Et tu m'as même invité au McDo, tu vois. Tu m'as fait ton don PayPal. C'était mon McDo Money. Voilà. C'était le McDo Money. Et tu m'as parlé effectivement d'une variante. Alors, parce que les premiers jeux, ils avaient... On est une bêtise là, je dis une bêtise Bah pas celui-là en fait. Pas les premiers jeux en fait. Quand je dis les premiers jeux, c'est pas les tout premiers jeux, mais une bonne partie. Voilà. Ils avaient ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on est collectionneur et qu'on se balade, il y a un moment donné, on tombe sur un truc. On cherche le vice. On cherche. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton anecdote. Tout simplement, je cherche en même temps si j'en ai pas un sous la main vite fait à attraper. Je viens de me rendre compte qu'il y a une variante de Sonic 2. Master System qui existe. Alors du coup j'ai un Alors Sonic ils sont là. J'ai un Sonic 1 là, mais je sais pas rangé par ordre alphabétique. Hein, j'aurais ma femme sous la main, ça serait plus simple. avec Sonic 2, donc bon, on va faire bref. Sonic 2 normalement vous avez un patch ici rouge. C'est en rouge. Voilà, un patch rouge avec marqué Action, donc Sega Master System et Sonic 2 avec le visuel. Et là, il y a une variante qui existe avec un patch jaune marqué Sega Master System et 2. Ce qui fait que normalement le jaune, ce serait les anciennes générations de jeux. Tout à fait. Et le fait qu'il soit jaune mais qu'il y ait écrit Master System 2, donc c'est pas normal. C'est une impression qui est sortie plus tard. Donc pour qui, pourquoi, on ne sait pas. Je sais pas. Mais apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs de copie, si c'est une erreur de copie. D'accord. Et ce qui ferait de ce jeu un jeu vraiment galère super, ouais. Galère à trouver. Et donc là, pour le coup, tu l'as vu comment? Tu l'as vu sur Internet? Sur Internet, ouais. Je l'ai vu comme ça en regardant sur des Google Images tout et bizarrement. Et tu le cherches maintenant? Bah oui. Donc si quelqu'un l'a chez lui et qu'il l'a, il te le propose à combien? Je sais pas. Je mais sais on peut pas. Te le proposer parce que alors. On peut me le proposer des échanges. Pour la petite info, tu as une page Facebook. Ouais, la page. Donc vous l'avez dans la description. On peut venir te voir. Tu montres toutes tes. Sur ma page Estariol 72. Ouais, voilà. En général, je mets ce que je rentre, ce que j'ai à échanger quand j'ai des. Ah, quand voilà. J'ai des et donc des on peut venir te voir pour échanger. Bien sûr. Pour te t'alléger de ton portefeuille. Faut éviter ça. Faut éviter. Elle va gueuler madame après. Ah oui. Alors, donc voilà, donc on a fait un peu le tour, hein, j'ai envie de dire, non? Bah ouais, on est pas mal. Hein. Elle est jolie, ta Nintendo 64 là. Ouais. C'est une... Elle a été repeinte. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un custom. D'accord.
J'ai une bah, ma Super NES aussi, je sais pas si tu l'as vu. Elle non. Est, bah, elle est dans le meuble là. Elle est verte. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Et power LED verte quand on l'a vu, mais switché tout ce qui va bien pour jouer. D'accord, donc on a fait un peu le tour, c'est vrai que le temps passe. Donc alors, on peut se laisser, on va se mettre ici. Alors, Estariol, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Attends, qu'est-ce qu'on peut se mettre aussi? Un peu plus ici là, un peu plus là. Un peu plus de lumière, non? Ouais, non, c'est bien là. Là, on va te voir. Eh ben, on va venir par là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, ta pièce que tu recherches, est-ce que c'est le Sonic que tu viens de nous parler? Dont tu viens de nous parler? Ça peut. Mais qu'est-ce alors autres. Là, tu l'as découvert depuis peu, mais quel est le jeu que tu recherches depuis des lustres et des lustres et des lustres? Ton Graal, que tu n'as pas encore. C'est même pas un jeu, c'est un accessoire. C'est quoi? C'est le Handle Controller Master System en boîte. C'est quoi C'est le petit volant Sega Master System. Tu l'as pas? Je l'ai pas. C'est-à-dire que tu l'as pas en boîte et tu l'as je pas, l'ai pas en tout court. Je l'ai pas tout court. Mais parce que je le cherche pas en loose. Alors on est d'accord, c'est pas réellement volant, c'est juste des poignées. C'est deux poignées. Ouais. Deux poignées de chaque côté, ouais. C'est pas réellement volant. C'est ça. Parce que tu peux tirer, je crois, au-dessus et tu peux jouer au jeu comme, de voiture. Ça fait comme un stick, en fait. Et où tu peux jouer au jeu de vaisseau aussi avec. Tout à fait. Ah. Ça c'est. Pourtant, on en aurait discuté, je t'aurais pas dit que c'était rare. Et bien pourtant si. Et pourtant c'est vraiment pas facile à choper. D'accord, ok, ouais, avec les deux petits boutons rouges au bout. Le dernier qui est parti aux enchères est parti à quasiment 300 euros. D'accord, mais c'est quand même abordable, mais c'est pas donné du... Enfin, c'est abordable sans lettre, on va dire. C'est abordable sans lettre et faut être là au bon moment. On va se mettre un peu plus là, on va pas. C'est abordable, mais faut être là au bon moment. Une cascade en direct. Réflexe. Une cascade. Il a failli se faire pulvériser par Wario. D'accord. Et donc oui, donc dans l'idée, on peut se mettre là. Voilà. Alors on s'assoit. Voilà. Et donc pour le café, mais tu bois pas de café. Non, c'est vrai, je suis pas café. Et donc on peut souhaiter ça. Et, ouais, ça, ça. Et d'accord. Et des projets dans ta collection, sinon agrandir ta collection. Changer de pièce. Changer de pièce. Ah, tu veux changer de pièce? Ouais, je vais changer de pièce. Ah oui, parce que là, bah oui, là, tu vois, c'est bien, c'est bien. C'est, bah parce qu'on peut aller, on voit que ça va jusqu'au bout place, là. Mais voilà, mais après, sous les pentes, c'est pas évident, quoi. D'accord. Donc je vais aménager, on va essayer d'aménager. Ah oui. 60 mètres carrés. Ah oui, donc ton projet c'est quoi? Alors vas-y, dis-leur. D'aménager ma grange. D'aménager. Parce qu'on l'a dit, on était au milieu de nulle part, mais monsieur, en fait, quand il est venu ici, il a vu son intérêt, quoi. Mais oui. J'ai 60 mètres carrés qui dorment. Donc on reviendra te voir quand tu auras aménagé tes 60 mètres carrés. Mais ça veut dire que ma vitrine sera sur pattes. Ça veut dire qu'il faut isoler, il faut tout faire, quoi. Ouais, il y a du travail. Il y a du travail. D'accord, bon, on te souhaite d'avoir le volant et d'avoir ta grange. Ouais. Et donc suivez-le dans la description, vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller lui soutirer son argent. Si vous avez des choses à m'apprendre, ça m'intéresse aussi, sur le Master System, on sait jamais. Bah ouais. S'il y a des gens qui ont des trucs bizarres chez eux. Il y en a, il va venir et dire, tu sais que j'ai Sonic 3 sur Master System. Ouais, ah, ça serait beau ça. Ça serait beau ça, mais c'est... voilà, avec ce que font les Chinois maintenant. Mais c'est vrai, on trouve toujours des variantes, des ceci, des cela. Ouais, bah après, si vous avez des jeux portugais... Oui, il est portugais ou... Ou oui, la portugais. Comme les Apozul et tout ça là. Ouais. C'est pas vraiment portugais, c'est. Alors là, tu parles des versions brésiliennes. Brésiliennes, ouais. Moi, je te parle des versions portugaises. Oh, on s'en sortira plus là. Il y a les versions portugaises maintenant. Je cherche le Spider-Man Sinister Six en version portugaise. Donc c'est une variante avec un. Il y a un visuel sur internet. T'as un visuel? Oui. Donc il y a une incrustation à l'instant où on parle. Oui, il y a des... Amenez-lui, il sera heureux. Ouais. C'est d'accord. Des visuels violets, c'est des jaquettes violettes. D'accord. Les Brésiliens, c'est bleu. Voilà, je cherche d'accord. Les jeux... Il y en a pas beaucoup, il y en a une quinzaine, je dirais. D'accord. De jeux portugais. Ok, donc merci de ton invitation. Bah, avec plaisir. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme je le dis souvent, à me suivre sur Facebook. Et puis, et c'était bien sympa, je termine mon petit voyage au Mans, avec toi. Tu vas réussir à repartir? Ah là, je sais pas comment je vais chez moi, en plus il pleut comme tout. Merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine. Salut Estariol. Bye. Ciao. Salut.